Qui fait malheur des attaques là. Yeah.
voir la place où tu joues depuis le début de l'année. Et non, c'est une nouvelle place pour moi, 23 ans, je passe en défenseur. Une nouvelle vocation? Pourquoi pas, on verra. Pour l'instant, c'est mon 3e ou 4e match. J'ai pas mal de plaisir, faut que j'arrive encore à jauger quand je prends un peu plus de risques. Quand j'en prends un peu moins, là c'était une grosse équipe, j'ai essayé d'en prendre un peu moins de risques les matchs contre Valais et nos intimes, et je pense que c'est un peu mieux aller pour moi aussi, pour toute l'équipe. Ouais, bon, on est très contents d'avoir gagné ce match ce soir. Je pense qu'on avait un peu les conditions contre nous, un match à 19h30 en semaine. On est parti un peu à la bourre, on est arrivé 20 minutes avant le début du match. Mais c'est des choses que GS2 aime bien. C'est comme ça qu'on se met encore plus dans le match et c'est peut-être grâce à ça qu'on a gagné aussi. Bien, la semaine n'est pas finie. Hein. Un match samedi, un match mardi en coupe. Exact. Ça continue. Bah oui, ça continue. On espère engranger des points encore samedi. On sait que ce soir, ils n'avaient pas encore perdu. Samedi, ils n'ont pas encore gagné, mais faut pas du tout prendre ce match à la légère. On est chez nous, faut y aller comme on est venu ici à fond pour prendre les 3 points. Pas de choix, faut prendre les points contre ces équipes. Là, c'était du bonus, mais samedi, il faut vraiment les prendre sans aucune discussion. On a été étonné de voir une nouvelle tête dans les goals. On était les premiers étonnés. En tout cas, moi, j'étais pas au courant. On l'a vu arriver dans le quart et tout, je savais même pas qui jouait. Je le connaissais d'avant et j'avais. Je pense que toute l'équipe avait totale confiance en lui, puis il nous a sorti le plus gros match peut-être de sa vie. Il fait un premier tiers incroyable où on n'est pas beaucoup dedans. Et il fait un save de la canne, il arrête tout, il prend juste un but, c'est dommage pour le blanchissage, mais il mérite un grand bravo, rien d'autre à dire. Bien, bravo en tout cas pour ce match, ça fait plaisir. Merci. Et puis même pour la suite. À samedi. C'est une énorme surprise de te voir dans les goals ce soir. Et tu nous sors un match de fou. Merci. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que tu sois dans ces goals? Écoutez, j'ai fait une formation au Genève Servette. Comme tout le monde, après je suis parti aux États-Unis, puis j'ai arrêté le hockey, j'ai recommencé en 3e ligue. Aujourd'hui, je joue en 2e ligue avec 3 chaînes. Ouais. Je travaille à côté beaucoup, et du coup, voilà, j'ai le plaisir à jouer où je joue actuellement. Et voilà, il y a. Manque de chance pour vous, il y a 2 gardiens qui sont blessés, j'ai été appelé et la chance pour moi, je suis tombé sur un bon jour, et pour l'équipe et pour moi-même aussi. J'espère que Rino et Colo ne m'écoutent pas, mais c'est aussi la chance pour nous quand tu as eu ce soir. Oui. Un premier tiers exceptionnel. Comment tu l'as vécu dans ton but? Tu te disais mais comment je fais ou c'est normal, tranquille? Il y a des matchs comme ça où on est rapidement mis dans le match, on a beaucoup de shoots, c'est plus facile à rester dedans et à avoir une assez bonne performance. Surtout que les défenseurs font un énorme de travail, je trouve, ici par rapport à ce que je connais en 2e ligue, le niveau des joueurs. On a fait le premier arrêt et ensuite le rebond, s'il y en a un, on s'en occupe moins. Et ça fait toute la différence pour certains gardiens, au moins. Et c'est pour ça que j'ai été très à l'aise rapidement avec cette équipe. Arnaud, alors pour terminer, ouais. Comment tu as été accueilli ici à Genève? Comme un enfant qui retourne vers sa maman. En tout cas, bravo, même si j'adore Jeannot, pour moi t'es clairement l'homme du match. Ah merci. Bravo. Merci. Merci.